de sortie pour cet été. Pourquoi pas le cabaret équestre de Pompadour, un show de haute volée à l'orangerie du château avec des numéros époustouflants. Denis Thibaudeau et Henri Simonet ont pu assister aux dernières répétitions. Depuis quelques jours, le ballet des chevaux se multiplie dans la grande salle de l'orangerie. La série de cabarets équestres programmée chaque été prend de l'ampleur cette saison avec un nouveau partenariat entre l'Office de tourisme, les haras nationaux et la commune. Vu ce qui se passe à Pompadour en ce moment avec Destination Pompadour, avec toute l'ambition qu'on a sur ce projet équestre et ce qui se passe au niveau du club méditerranéen, on ne pouvait que reprendre les cabarets et en faire une version, je dirais, high-tech, une version très 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 bien préparée. Et j'espère que le public viendra nombreux parce que pour avoir vu quelques rushs, c'est vraiment du très très gros spectacle équestre, du très très beau spectacle équestre. Il faut dire que la troupe d'artistes équestres qui pilote ces spectacles s'est renforcée avec l'arrivée de Lorelai, une complice de scène qui donne une nouvelle dimension au cabaret équestre. Cette année, en plus, on va présenter une nouvelle formule pour la saison d'été. On rassemble une grosse écurie de chevaux puisqu'on arrive presque à 10 chevaux. Et puis plein de numéros qui sont différents les uns des autres, mais une sensibilité qui est la même entre moi et elle finalement. Et du coup, je pense que ça va être un très très beau spectacle. Un spectacle étonnant au vu des ultimes répétitions où les chevaux deviennent de vrais comédiens à part égale avec leurs cavaliers. Nos chevaux, on les choisit aussi parce qu'ils aiment ça quelque part, parce qu'ils ont ce tempérament un petit peu de vouloir se montrer, un peu comme les artistes qui ont un ego plus ou moins développé. Chez les chevaux, c'est un peu pareil. Il y en a qui vont être un peu plus timides que les autres, mais malgré tout, je pense qu'on les choisit pour ça et peut-être eux nous choisissent aussi. Aussi pour ça, c'est pour le plaisir de se faire applaudir. La grande première est programmée le 6 juillet à l'Orangerie, suivie d'une soirée VIP.